Lorient 20e reçoit Marseille 7e. Les Merlus restent sur 3 défaites de rang sans parvenir à marquer. Mais malgré ces mauvais résultats, ils ne sont pas décrochés puisque devant, les concurrents gagnent peu. Ainsi, un succès des Bretons leur permettrait de revenir à la hauteur de Bastia. L'OM, pour sa part, doit réagir après l'humiliation subie face au PSG le week-end dernier avec une défaite 5-1 au Vélodrome. S'ils s'imposent, les hommes de Garcia peuvent chipper la 6e place de Saint-Etienne et revenir à un point de Bordeaux. Et l'entame de match des Olympiens est parfaite puisque dès la 6e minute, Rolando, le capitaine, ouvre le score à la réception de ce corner. La rage de Rudy Garcia et l'apathie de la défense lorientaise. Un nouveau coup de pied arrêté et la même sanction avec un but somptueux de Dimitri Payet. Après moins de 20 minutes de jeu, l'OM mène 2-0. Deuxième but pour Dimitri Payet depuis son arrivée cet hiver. Un geste de classe, tout en technique, tout en touché de l'international français. Benjamin Lecomte est battu. À la pause, l'OM mène 2-0 et s'est simplifié la partie en menant rapidement face à une équipe lorientaise qui plonge encore un peu plus. Rapidement dépassé par la fougue des hommes de Rudy Garcia. Il en sera de même dans le deuxième acte avec Henri Bédimo, le petit centre du Camerounais. C'est mal renvoyé par la défense lorientaise et la barre transversale trouvée par Morgan Sanson. Marseille joue bien, développe de beaux enchaînements avec Florian Thauvin en 1 contre 1 qui dépose Pébernès et ouvre son pied gauche. 3-0 pour l'OM à la 53e minute. 8e réalisation pour Florian Thauvin. L'homme en forme côté olympien. Pébernès est complètement dépassé sur cette accélération de l'ancien Bastiais. Et Marseille en veut plus. Une nouvelle fois, Florian Thauvin. Cette fois-ci, il est cerné par deux Lorientais. Parvient à centrer. Et au deuxième poteau, comme à la parade, Morgan Sanson pour le 4-0. 56e minute. La première victoire à l'extérieur en 2017 pour les Olympiens n'est plus très loin. Même s'ils vont avoir un relâchement avec cette tête de Majid Waris qui était tout proche de réduire l'écart. Sauvetage sur la ligne de Rolando. Avertissement sans frais pour les Marseillais. Mais les Lorientais veulent sauver l'honneur. Majid Waris lève la tête et trouve Benjamin Moukandjo. 4-1, 8e réalisation pour le Camerounais Benjamin Moukandjo. Entré en jeu quelques instants plus tôt. Fin de disette pour les Lorientais qui n'avaient pas marqué depuis 3 matchs. On en restera là. 4-1, l'OM se rassure après sa semaine compliquée. Après les défaites contre le PSG et Monaco et s'initie son plus large succès à l'extérieur cette saison, l'OM se hisse à la 6e place, non loin de l'Europe. Lorient s'enfonce un peu plus avec cette 4e défaite consécutive.